Salut à tous les curieux, là aujourd'hui au programme, eh bien, un taroscope de Mimix uniquement fait avec mes tarots. Et puis vous aurez en fin d'émission un message tiré de la bibliomancie. Vous êtes bien dans le taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Hello, hello les curieux, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien, chers amis, chers curieux, chers auditeurs de Radioactive. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé une excellente semaine. Moi, je suis en meilleure forme que la semaine dernière. Je peux donc vous faire votre émission comme habituellement, n'est-ce pas? Alors, eh bien, cette semaine, nous allons faire un taroscope spécial tarot. Donc, j'ai uniquement tiré vos énergies avec les tarots et sans aucun oracle. Et bah, écoutez, on va aller voir un peu ce que ça donne. Alors, bien sûr, hein, vous savez, gardez du recul. Prenez de la hauteur vis-à-vis des informations que je vous délivre ici, que je vais vous délivrer signe par signe. Ce qui implique que ce sont des tirages d'ordre général et qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Alors, on prend des pincettes. Prenez ça comme un jeu. N'hésitez pas cependant à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Croisez les informations et puis du coup vous aurez davantage de détails pour votre semaine. De plus, à la fin de chaque signe, vous aurez un conseil qui sera trouvé par la bibliomancie. Donc je prends un livre oracle et au hasard je tire une page et ce sera votre conseil. Allez, c'est parti, on y va et on commence immédiatement comme chaque semaine avec les Béliers. Alors les Béliers, pour vous, l'énergie globale, générale, déjà pour commencer. Alors on voit ici, alors peut-être qu'on nous parle d'une entreprise pour vous ici, peut-être que vous avez plusieurs choix devant vous et il y a un choix à faire, une décision à prendre. On nous dit ici aussi que pourquoi pas ici remettre de l'ordre un peu dans votre vie. Peut-être que certains d'entre vous ici sont un peu dans le brouillard, ont plusieurs possibilités devant eux mais ne savent pas quelle choisir. Voilà, on sent que vous avez besoin ici de trouver votre juste place, de prendre des décisions qui vont être qui vont remettre un petit peu de droiture autour de vous. Dans le domaine professionnel, ici, on voit qu'il y a une opportunité qui est vraiment à l'honneur ici. Hein, on voit que vous démarrez quelque chose, on vous offre une occasion, on vous offre une opportunité, peut-être un nouveau travail qui peut commencer. En tout cas, ici, vraiment, c'est un côté chanceux hein, dans le côté travail. Et on voit que ces énergies vont vous apporter beaucoup de bonheur, en fait. Hein. Vous allez être extrêmement heureux au niveau professionnel cette semaine. Dans le domaine sentimental ici, alors on nous parle de renouveau, d'une renaissance, d'une prise de conscience ici. Quelque chose de très très beau, de très guidé ici, pourquoi pas des demandes en mariage même, en tout cas quelque chose de très très doux et qui va vous apporter un équilibre émotionnel qui n'est pas négligeable. Le message pour vous, les Béliers, le voici. Si aujourd'hui est un vendredi, la voyante dit que la réponse est oui. Donc si vous écoutez le taroscope le vendredi, alors votre réponse sera oui. Taureau. Alors les taureaux, pour vous cette semaine, alors il y a un effondrement. Là, clairement, hein, je ne vais pas passer par quatre chemins. Là, il y a un effondrement. Alors attention, un effondrement, une destruction peut être aussi bon pour la reconstruction. Ici, on voit qu'il y a quelque chose que vous allez découvrir. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière, peut-être un secret. Quelque chose qui a vraiment, qui vous a été caché jusqu'ici et qui va, je pense ici, vous déstabiliser. D'accord? Mais c'est un mal pour un bien ici, les amis. Au niveau professionnel ici, eh bien, écoutez, il y a de très très belles énergies. Alors peut-être une personne du passé qui revient dans votre vie professionnelle, pourquoi pas. Ou alors vous retournez dans une énergie du passé dans votre travail. Peut-être que vous allez retrouver une ancienne entreprise, quelque chose comme ça. Ou un ancien collègue qui vient vous rejoindre dans votre travail. En tout cas, c'est célébré. Vous êtes très heureux de retrouver cette personne ou de retrouver cette énergie ancienne qui a trait au passé ici. Vraiment beaucoup de joie. Dans le domaine sentimental ici, on voit que c'est la fin des conflits pour vous. Il y avait des conflits, des disputes, vraiment que voilà, là on n'était pas du tout alignés. Eh bien ça y est, le bonheur arrive ici, vous réussissez à dépasser cette énergie et le soleil est à vos côtés. Donc réussite, bonheur, mise en couple, bref on est au top. Le message pour vous les taureaux, le voici. C'est la balance qui vous conseille de tenir compte des sentiments d'autrui. J'ai
Alors les Gémeaux, pour vous, l'énergie générale, alors elle n'est pas au top, 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 mais on vous demande ici, on sent que c'est très, très passager, donc faut pas s'inquiéter et ne déprimez pas pour votre semaine, c'est pas la peine, il y a des choses qui sont positives quand même dans votre semaine. Mais ici, dans l'énergie générale, on voit qu'il vous manque quelque chose. Hein, vous êtes, il y a quelque chose qui est, il y a une difficulté ici à passer, à affronter, peut-être le manque d'une personne, le manque de moyens financiers. Pourquoi pas ici un petit coup de mou au niveau de votre énergie. En tout cas, on vous demande vraiment ici, et c'est ce que vous allez faire ici, d'avoir beaucoup de courage. Prenez les choses comme un challenge à remporter et vous verrez que déjà, rien que la semaine prochaine, ça ira déjà beaucoup mieux. Au niveau professionnel ici, plusieurs propositions, plusieurs choix, plusieurs directions possibles ici. Il va falloir faire un choix qui va être lié au cœur. On va peut-être aussi ici vous mettre plusieurs défis devant vous. En tout cas, vous allez totalement être capable de relever ces défis puisque ici, on voit que vous bénéficiez de l'expérience dans votre travail ou que vous avez suffisamment d'assurance en vous, suffisamment d'expérience dans votre vie même pour affronter en fait ces choses, ces choix, ces différentes directions à emprunter. Au niveau sentimental ici, oh, alors là c'est beau, on voit qu'il y a une personne qui revient du passé dans votre vie et qui vraiment va apaiser une situation. Il y a une relation qui est en train de se guérir là ici, qui est en train de s'apaiser, qui est en train de se calmer, qui est en train de vous faire énormément de bien en fait ici les Gémeaux, voyez, donc tout n'est pas que négatif. Le message pour vous les Gémeaux, écoutez la voyante, fuyez cela comme la peste. Si vous avez une question, eh bien, on vous dit de fuir cela comme la peste. Cancer. Alors les cancers, pour vous, la semaine est pas mal du tout. En effet, après une période de repos forcé, j'ai l'impression, une période pourquoi pas de déprime, en tout cas un repli sur vous ici, eh bien ça y est, vous atteignez là un grand bonheur, de la prospérité, une harmonie familiale, vraiment de la joie. En tout cas ici, vous êtes sur une très très belle énergie. Vous passez du tout, du rien au tout, hein, si on peut le dire comme ça. Vraiment, là, vous reconnectez à votre harmonie intérieure, c'est très très beau. Alors dans le domaine professionnel ici, on voit qu'il y a le début d'une activité qui commence, le début d'un projet créatif, le début d'un nouveau travail. En tout cas, on est dans un démarrage ici. Ça peut être le début d'un nouveau poste aussi, un peu plus haut. En tout cas ici, on voit que quand même, vous êtes très fatigué, vous tenez bon, vous tenez le coup. Mais attention à ne pas dépasser vos limites ici, puisque on voit que vous avez beaucoup donné pour obtenir ce que vous êtes en train de faire ici, mais il va falloir un petit peu se poser, hein, parce que vous avez l'air d'être vraiment très très fatigué. Dans le domaine sentimental ici, après une petite bataille, peut-être contre, peut-être avec de la concurrence, pourquoi pas ici dans le domaine sentimental. En tout cas, une bataille peut-être aussi intérieure, peut-être une compétition vis-à-vis aussi de vous-même. Eh bien, on voit que là, ça y est, eh bien, il y a une histoire qui va pouvoir commencer dans la matière, de manière concrète ici. Et il y a une belle opportunité qui se présente à vous dans le domaine sentimental. Le conseil pour vous en bibliomancie, on vous dit votre carte est le 6 de carreau. Commencez par pleurer un bon coup. Lion. Bon alors les lions, cette semaine ici, vraiment c'est la semaine de la peur hein, pour vous. Je ne sais pas ce qui vous arrive, mais vous êtes angoissé, vous avez très très peur. Alors déjà pour commencer dans le domaine général, on voit qu'ici pourtant vous êtes en train d'entreprendre, il y a du succès autour de vous, voire même des associations bénéfiques. Voilà, vous allez même pouvoir, pourquoi pas, vous faire former ou vous-même former les autres. Mais on voit qu'il y a une grosse peur. Donc ici, alors qu'est-ce qui vous fait peur? J'ai l'impression que c'est de passer un petit peu, justement, sur le devant de la scène qui vous fait peur. En tout cas, ça ne sert à rien d'avoir peur. Hein. Ici, je vous conseille de la dépasser hein, pour pouvoir mieux apprécier ce qui vous arrive. Dans le domaine professionnel ici, eh bien, c'est la même chose. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous touche ici, qui vous blesse. Alors, qui blesse quoi? Votre ego, votre cœur, qui vous vexe, je ne sais pas. Là, on voit qu'il y a un investissement, que vous vous investissez ici dans le domaine professionnel, mais que ça vous êtes déçu, il y a une déception ou il y a quelque chose qui vous blesse, qui vous a blessé le cœur. Donc peut-être un résultat qui n'est pas récompensé ou quelque chose comme ça. Dans le domaine sentimental, c'est incroyable, non, c'est pas possible. Attendez, mais c'est
incroyable. Vous avez les deux mêmes cartes dans le domaine général et les deux mêmes cartes dans le domaine sentimental. Donc là, il y a bel et bien quelque chose qui vous fait peur ici. Alors si on le ramène au domaine sentimental, on voit qu'ici, pourtant, il y a une réussite au niveau sentimental. Vous pouvez vous allier à quelqu'un, vous unir à quelqu'un, avec en plus quelqu'un qui a l'air d'être vraiment sur la même vibration que vous. Vous devriez être en joie. Et non, ça vous fait peur. Est-ce que cette personne vous donne trop? Est-ce qu'elle vous donne trop d'amour? Est-ce que vous vous posez beaucoup trop de questions et vous devriez lâcher prise et vous laisser aller? Vivez ce qu'il y a à vivre et vous verrez bien. Le conseil pour vous ici, les lions, l'amoureux dit que vous ne pouvez pas éviter cela. Excellent. Vierge. Alors pour vous les vierges ici, dans le domaine général, alors on nous parle du foyer ici et de la famille. Donc apparemment ici, une grande stabilité familiale, pourquoi pas aussi ici un héritage dont vous pourriez bénéficier. En tout cas ici, beaucoup de stabilité, beaucoup de prospérité pour vous les vierges cette semaine. Dans le domaine professionnel, alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici on a vraiment par contre de grandes peurs, de grandes angoisses ici qui sont liées à une décision que vous devez prendre et qui me semble être inévitable. Ici vous allez prendre une décision importante, vous allez trancher, décider, acter quelque chose ici cette semaine au niveau professionnel et vous en avez peur. Eh bien la peur, comme je le dis toujours, sert à être dépassé. Souvent on est très fier de soi une fois qu'on a dépassé des peurs. Dans le domaine sentimental ici, oh là 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 là, il y a un engagement ici. Hein. Ici, alors soit c'est une personne qui vient vers vous pour s'engager avec vous, soit c'est vous qui allez vous engager auprès d'une personne. Mais ici, on a vraiment quelqu'un, une personne extrêmement amoureuse. On a beaucoup d'amour ici et on va assumer. Et puis, on a vraiment ici envie de s'engager. Donc, peut-être allez vous déclarer votre flamme ici. Certains vont avoir des demandes en mariage. Il y a des officialisations en fait très très fortes cette semaine pour vous les vierges. Le message qui vous concerne ici, la Vierge, c'est incroyable, la Vierge vous suggère de ne pas vous précipiter, vous y arriverez. Balance. Alors pour vous les balances dans le domaine général, ici on voit qu'il y a un conflit que vous essayez cependant de dépasser. Alors un conflit avec vous-même, un conflit avec des personnes extérieures, un conflit intérieur ici en tout cas, vous allez essayer de mettre toute votre intelligence, votre ambition pour le dépasser en fait ici. Hein. Donc de nouvelles idées, vous essayez vraiment de trouver des solutions ici pour sortir de cette énergie les vierges, les balances pardon. Dans le domaine professionnel ici, on voit que vous regardez les choses avec un angle différent dans votre vie professionnelle. J'ai l'impression qu'ici vous n'arrivez plus à donner autant que vous le voudriez. Il y a une forme d'ennui, on n'a plus envie de s'ouvrir aux autres ici. Dans le domaine professionnel, donc on va regarder les choses sous un angle différent, peut-être pourquoi pas penser ici, alors soit à changer de méthode, ou bien pourquoi pas carrément hein, à partir de votre lieu de travail. Dans le domaine sentimental, ici, on a des sentiments naissants, mais on voit que vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de réfléchir, d'être dans votre coin, peut-être pour réfléchir à cette relation, mais ici, on a vraiment des sentiments qui sont naissants et ça a l'air de vous perturber, les balances. Le message pour vous ici, le chiromancien a observé la flèche de Diane. Prenez d'abord un peu de repos, hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Même dans le domaine professionnel, j'ai envie de vous dire ici, vous avez besoin d'une pause. Scorpion. Alors les scorpions pour vous, cette semaine dans le domaine général, eh bien écoutez, alors il y a quelque chose que vous allez fêter avec votre entourage ici, avec vos amis, votre famille proche. Pourquoi pas le début d'une nouvelle carrière, d'un nouveau projet professionnel, d'un nouveau travail, mais aussi pourquoi pas aussi un voyage que vous avez envie d'entamer ici. Et vous allez célébrer tout ça en tout cas avec vos amis, votre famille. C'est un nouveau départ pour vous, pourquoi pas aussi une nouvelle passion, c'est tout à fait possible. Alors dans le domaine professionnel, ici vous avez d'excellente énergie, la roue tourne en votre faveur. Alors si avant vous avez des déconvenues au sein du travail, et eh bien sachez qu'aujourd'hui, cette semaine, vous allez prendre votre place, retrouver votre place, avoir peut-être aussi avoir un nouveau poste qui est beaucoup plus
dans votre à votre juste valeur, voilà, c'est ça. En tout cas, ici, vraiment, on a des énergies de boss, des énergies d'un personnage qui est à sa place, avec beaucoup d'autorité, beaucoup de rigueur ici, les scorpions. Dans le domaine sentimental, là, c'est un petit peu moins rose. C'est-à-dire que ici, j'ai l'impression que vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de retranchement, de calme, de paix. Peut-être qu'il y a de la tristesse ici pour vous. J'ai l'impression qu'il y a eu une rupture. Ou en tout cas, dans le domaine sentimental, on voit qu'il y a de la tristesse, qu'il y a une blessure ici qui va être nécessaire pour vous d'aller guérir. Et vous allez le faire en vous isolant un petit peu. Message pour vous les scorpions, les forces des planètes prédisent que la chance vous attend. Sagittaire. Alors les sagittaires, pour vous, c'est une très belle semaine ici. Nous sommes dans la maîtrise. Vous êtes sur un nouveau départ, une nouvelle action, un nouveau pouvoir, quelque chose de nouveau ici qui se met en place dans votre vie. Vous êtes en plus guidé ici pour ce faire. Et pourquoi faire? Pour réaliser vos rêves. Donc là, il y a quelque chose d'idéal qui va démarrer pour vous cette semaine. Peut-être que vous avez une histoire qui va commencer avec quelqu'un, un nouveau travail qui va commencer. C'est quelque chose, c'est un nouveau départ pour vous et qui est vraiment lié à la joie, à l'optimisme. Et voilà, la consécration des rêves, tout simplement. Justement, dans le domaine professionnel, ici, on voit que vous êtes vraiment dans la maîtrise, dans l'action. Vous avez énormément confiance en vous. On a confiance en vous également. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Ici, il y a vraiment un cycle qui se termine. Il y a un aboutissement, une consécration pour vous, les Sagittaires, au niveau professionnel. Donc, ceux qui n'avaient pas d'emploi vont probablement pouvoir en trouver un cette semaine. Et pour ceux qui en ont, eh bien... Ici, vraiment, il y a un aboutissement, une consécration pour vous cette semaine. Dans le domaine sentimental, ici, on voit que vous avez besoin de votre entourage, de vos amis, de votre famille, parce que vous êtes sur une indécision. Alors là, il y a une décision à prendre et vous ne savez pas laquelle prendre. Peut-être vous a-t-on fait une proposition, va-t-on vous faire une proposition, ou peut-être avez-vous un choix à faire entre deux personnes. Eh bien, vous allez vous faire aider de vos amis, de votre famille, pour pouvoir prendre cette décision. Le message pour vous les Sagittaires, le voici. Le chiromancien observe une croix mystique sur la paume de la main. Ayez confiance. Capricorne. Alors les Capricornes, vous après avoir vraiment un sentiment de perte, une frustration, des regrets, quelque chose qui ne va pas au niveau émotionnel, eh bien ici, la roue tourne en votre faveur. Ça y est, vous allez changer enfin d'énergie, donc pas de panique ici. Donc si vous vous sentiez vraiment... triste ou avoir vraiment un sentiment de manque ou de perte ici, quelque chose qui ne vous comble pas, eh bien ça y est, vous allez changer et basculer d'énergie, les Capricornes. Dans le domaine professionnel ici, eh bien on voit que vous justement, hein, vous avez des projets qui se mettent en route ici, vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau, vous prenez confiance, vous êtes également pourquoi pas en train de prendre quelque chose sur vos épaules, c'est-à-dire ici un nouveau poste à responsabilité, ou bien pourquoi pas carrément la création d'une entreprise, la création d'un nouveau projet. Vous êtes en pleine création ici, en pleine créativité, et ça a l'air de très très bien se passer pour vous. Au niveau sentimental ici, on voit que vous avez il y a un nouveau départ pour vous, donc vous décidez pourquoi pas de vous engager avec une personne, malgré, j'ai envie de vous dire que la personne en face ne soit pas forcément aussi enthousiaste que vous. Ouais, c'est vraiment ça. Mais vous y allez, vous vous lancez, vous dites on verra bien ce qui se passera. C'est vraiment l'énergie pour vous. Votre message ici, vous avez tiré la reine de pique, cherchez la réponse auprès d'une femme brune. Verseau. Alors les Verseaux, vous, dans votre énergie générale cette semaine, apparemment vous avez un choix à faire et ce choix vous brise le cœur. Il y a vraiment ici une énergie, on est blessé, on est touché en plein dans son cœur et apparemment c'est vraiment l'influence du choix que vous allez faire, où vous faites ce choix malgré on va dire, peut-être que vous aimeriez faire le choix opposé, mais là, je ne vais pas vous cacher, il y a un peu de tristesse pour vous, les Verseaux, cette semaine.
Alors, dans le domaine professionnel, alors on voit que vous bénéficiez d'un gain, il y a quelque chose qui vous enrichit ici. Alors, ça peut être une promotion, une prime, quelque chose qui a un rapport avec votre valeur. Peut-être que c'est vous-même qui prenez davantage de valeur déjà aussi au sein de votre entreprise. Mais ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui pourrait être jaloux, qui pourrait vous trahir, qui pourrait vous mentir. Donc, ouvrez l'œil parce qu'il y a quelqu'un qui est un peu malhonnête autour de vous et qui pourrait du coup ici essayer de vous discréditer ou bien de vous mentir, de vous voler, ou vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Une personne à qui vous faites peut-être confiance et à qui il ne vaut mieux pas faire confiance. Alors, dans le domaine sentimental, pour vous, les Verseaux, on voit qu'on est très partagé. Partagé entre une énergie un peu de don, de donner, donner autant que recevoir, voilà, d'être un peu dans une forme de charité, quelque chose comme ça, de générosité. Et vous êtes partagé entre une autre énergie qui est celle plutôt de ne rien donner, de ne pas s'ouvrir, de ne pas, donner autant à la personne qui est en face de soi. Donc là, je pense que vous êtes dans un dilemme, vous ne savez pas trop comment faire avec cette personne, qu'allez-vous faire, peut-être que c'est seulement vous qui allez le savoir là, hein. Mais on est vraiment dans des énergies opposées, contraires, et vous êtes au milieu en fait, hein. Le conseil pour vous ici, vous avez tiré le chiffre 4, ce qui indique que l'issue pourrait vous déplaire. Poisson. Alors les poissons, pour vous, dans le domaine général, ici on est dans une hésitation, une sorte de balance, on a un choix à faire ici, mais ce choix que vous allez faire va vous apporter de l'harmonie, de l'équilibre vis-à-vis d'une situation qui se clôture. Vous avez eu pas mal de souffrance vis-à-vis d'une situation, vous en avez pris plein la tête ici, et ça y est en fait, enfin, ça se clôture, ça se termine. Et ici, vous allez pouvoir vraiment vous reconnecter, vous rééquilibrer, vous apaiser. Dans le domaine professionnel, ici, on voit que vous êtes dans en train de poser les graines, planter les graines dans un travail. Mais par contre, que vous adorez. Là, on a des poissons qui sont dans un travail qu'ils adorent, qu'ils aiment par-dessus tout ici. Alors, pourquoi pas, certains ici pourraient faire aussi une rencontre sentimentale au sein de leur travail. Mais en tout cas, ici, nous avons des gens qui sont passionnés, qui sont dans le partage, dans l'empathie ici, et vous allez vraiment déployer toute cette générosité ici au sein de votre travail. Dans le domaine sentimental, ici on voit, alors là par contre, qu'il y a vraiment une décision à prendre, que vous allez décider, hein. Vous allez prendre une décision très tranchante, ou alors avoir une communication très très claire, et vous allez décider d'une situation. Vous allez décider, acter quelque chose, mais vous allez vers une forme de réussite. Alors moi je trouve qu'il y a un peu de froideur dans ces cartes. Voilà, je pense que ça manque un peu de sentiment. Il y a beaucoup de mental et il y a peu d'émotions. Voilà, à vous de voir les poissons. Le message pour vous ici. Le cancer vous recommande de garder vos intentions pour vous. Et bien voilà les curieux, chers auditeurs de Radioactive, le taroscope de Mimix est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu. La formule est un petit peu différente d'habitude, mais écoutez, moi en tout cas, ça m'aura bien parlé. Je trouve qu'il y a de belles synchronicités. En tout cas, si vous voulez de nouveau me suivre, et bien on se retrouve tous les lundis à 11h30 et 15h30 sur l'antenne de Radioactive. Et puis bien sûr sur la page Le Curieux Cabinet de Mimix, la chaîne YouTube Le Curieux Cabinet de Mimix, où vous retrouvez également tous les podcasts. Allez, je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite et je vous dis même à la semaine prochaine.